vidéo aujourd'hui, on va parler de qualitatif et on va parler de quantitatif. Je suis sûr que ces deux mots vous résonnent quelque part en vous, que vous les avez lus dans des livres, entendus dans des cours, surtout quand vous construisez votre recherche. Très souvent, en plus, quand on construit sa recherche, on se pose la question, est-ce que je vais plutôt faire une étude qualitative ou plutôt quantitative? Si vous ne vous êtes pas posé la question, c'est bon moment pour commencer à le faire. Alors, voilà, je vais essayer de faire ça au plus simple. Qualité qualitative, quantité quantitative. Elles sont souvent présentées comme des opposés, mais ce n'est pas vraiment le cas. En réalité, c'est plus complexe et on peut les mélanger et on peut s'en servir à un certain moment. Et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Ce que je veux montrer dans cette vidéo, c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière. Comment on les utilise, pourquoi c'est important de les utiliser, pourquoi c'est important de bien les comprendre et de voir un petit peu tout le package qui va avec, donc tout l'ensemble qui va avec. On va parler un petit peu d'histoire des sciences quelque part, de méthodologie de la méthodologie. Quand on parle de quantitatif et de qualitatif, on parle de quelque chose qui est déjà très avancé dans la recherche. Dans votre recherche, c'est surtout la partie après la collecte de données. En fait, c'est plutôt comment on va donner du sens aux collectes de données. Donc j'ai déjà ramassé mes données, comment je les traite, comment je les mets en forme, comment je les utilise en fait. Mais on le pense en amont, parce qu'une recherche, c'est très compliqué, on passe par des cercles, donc des cycles de vie, où on retravaille ce qu'on a commencé à faire. Revenons à nos moutons. Si on veut, de manière très 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 vulgaire et très simplifiée, la science, ça peut être pensé comme un petit embranchement entre différentes possibilités. Donc, il y a l'accès aux connaissances, et les connaissances m'ont fait du savoir. Je peux avoir des connaissances à travers moi-même, mon corps, c'est ce qu'on appelle des connaissances subjectives. Et je peux avoir des connaissances qu'on appelle objectives, donc c'est l'objet qui donne du sens. Je sais qu'on peut toujours discuter de l'objectivité, dans cette vidéo on n'en parlera pas trop, même si j'ai à des moments donné quelques détails, mais en gros, on dirait que la science c'est objectif. Donc, cas hyper simple, si je prends de la peinture jaune et que je prends de la peinture verte, je les mélange, ça donne du vert. Peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe votre âge, quand vous allez faire ce geste-là, vous allez avoir du vert. Votre genre, votre sexe, peu importe où vous êtes. Et, enfin, bien sûr, il y a toujours les daltoniens, mais c'est des cas un peu spécifiques. Mais si on veut, quand on mélange des couleurs, on arrive à des résultats qui sont toujours les mêmes. On dit que c'est objectivable. Subjectif, ça veut dire que ça passe par l'individu, et pendant très longtemps surtout, et puis ça commence à changer au fur et à mesure, mais depuis très longtemps, avec la méthode scientifique, c'était pas considéré comme des vraies données. Comme par exemple, ma mère a cuisiné un très bon poulet tous les dimanches. J'adore son poulet. Quand je mange le poulet, je vis quelque chose de particulier, j'ai une expérience de manger ce poulet. Cette expérience, elle n'est propre, elle n'existe à personne d'autre, et quelqu'un d'autre qui mangera le poulet de sa mère n'aura pas du tout la même expérience. Mais pour garder un exemple en sciences humaines, quand quelqu'un que j'aime meurt, je vais rentrer dans le deuil, je vais avoir une souffrance très forte. Et donc, je sais que ça, je peux le transposer sur quelqu'un d'autre. Je sais que je peux le répliquer. Et si on veut, une des forces et une des choses qui est centrale à la méthode scientifique, c'est la question de la réplication. Est-ce que si un autre chercheur fait les mêmes choses que moi, il arrivera au même résultat que moi? Ensuite, quand on a cette méthode scientifique, elle se divise ensuite en deux branches. La recherche théorique, donc on essaye de comprendre les concepts, et là on est vraiment dans le monde abstrait. Ça peut être la philosophie, ça peut être... Vous en avez plein. Ça peut être les mathématiques. Il y a plein de formes d'abstraction sur lesquelles on travaille. Et il y a la recherche empirique. Empirique pour signifier... les données, le terrain, quelque chose de concret, on peut le saisir. Et en réalité, les recherches théoriques ne sont pas trop touchées par le quali ou le quanti, donc on va les mettre de côté. Mais la recherche empirique, elle, elle est portée par ces deux choses. Elle est portée par le qualitatif, l'approche qualitative ou l'approche quantitative. Donc ça signifie que les approches qualitatives ou quantitatives sont extrêmement liés aux données, sont extrêmement liés au terrain. Ça, c'est un point important. Parler de ces deux approches sans réfléchir à la question des données et vous êtes à côté de la plaque. Il faut réfléchir à la question des données pour savoir si on va être qualitatif ou quantitatif. Majoritairement, au jour d'aujourd'hui, les recherches sont plutôt quantitatives.
Il y a plusieurs raisons à ça. Ce n'est pas parce que c'est mieux que le qualitatif. C'est juste parce que pour des questions de coût surtout, c'est plus efficace et plus rapide. Donc si j'envoie un questionnaire par exemple et que c'est traité par une machine qui me donne des statistiques, et il y en a plein, vous faites souvent des sondages, même sur les réseaux sociaux, etc. C'est traité très rapidement par la machine. Donc ça évite des coûts humains, ça évite des pertes de temps, etc. Donc très souvent, on les utilise. Aussi, on les utilise beaucoup pour tout ce qui est la question démographique, tout ce qui est la question politique. Il y a tout un ensemble de choses qui jouent là-dedans et qui sont des manières de réfléchir le monde en termes numériques. Donc, si vous vous intéressez à voir le monde en termes numériques, vous allez plutôt y penser en termes quantitatifs. Donc, combien de fois ou combien d'heures je passe sur Facebook? Combien de fois je vais me laver les mains? Combien de paires de chaussures j'ai? Et à partir de ce combien, on va ensuite donner du sens à ça. Donc on va se dire, bah peut-être que s'il passe, je sais pas moi, 4 heures ou 5 heures par jour sur Facebook, il y a une addiction. Ensuite, je vais essayer de comparer. Est-ce que si tous les hommes que j'ai interviewés me disent qu'ils passent 5 heures, peut-être qu'on a un problème avec le genre masculin. Donc on voit un petit peu comment on peut les intégrer. L'idée de rentrer dans le quantitatif, c'est aussi d'être capable de simplifier des données. Donc, comme je peux en envoyer plus, je me retrouve avec beaucoup plus d'informations. Donc, si j'envoie un questionnaire et que je touche 10 000 personnes, je vais avoir, et que ça contient 10 questions, il va falloir que je traite toutes les questions, etc. etc. C'est énorme, c'est un volume énorme. Donc, pour pouvoir le réduire et l'utiliser de manière plus efficace, on utilise la statistique descriptive pour les gens qui s'y intéressent. Cette statistique descriptive permet justement de décrire un phénomène. Une compulsion d'achat, la natalité, la croissance des décès, la consommation, je l'ai dit, mais ça peut être plein de choses, l'évolution du coronavirus, blablabla, on cherche des chiffres. Ces chiffres-là sont super intéressants parce que déjà ils ne sont pas définitifs, surtout quand on est en sciences humaines, ça évolue, ça change. Et même votre sujet change, et même vous-même changez, mais ils peuvent permettre de faire une photo à un moment donné de ce qui se passe et vers où ça peut aller. Et comment on peut l'interpréter, comment on peut le régler, donc que ça soit la transmission des maladies, que ça soit des problèmes de comportement, que ça soit la violence, on peut justement saisir et mettre l'emphase en disant, hé, regardez, si je prends telle variable-là, donc les hommes entre 18 et 30 ans, dans telle région du monde, avec tel type de statut social, ils sont plutôt dépendants. Peut-être qu'on pourra aller voir pourquoi. Et ensuite, on peut aller dans le qualitatif et essayer de comprendre la vie de ces gens-là. Aller leur poser, faire des interviews, aller leur poser des questions, faire des interviews, comprendre comment ils vivent cette addiction-là. Et là, on comprend que qualitatif ou quantitatif ne sont pas en opposition. Ils sont complémentaires. Mais bien sûr, vous pouvez faire le choix de travailler qu'en qualitatif ou qu'en quantitatif. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est juste une manière différente de voir des données. C'est tout. C'est tout et en même temps, c'est fondamental. Parce que c'est là où on va aller chercher la cohérence. On va essayer de comprendre ce que vous pensez, ce que vous essayez de démontrer, ce que vous essayez de montrer avec ces données-là. C'est l'outil qui montre et qui formate vos données. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de ce prisme-là, vous allez teinter vos données, vous allez modifier, vous allez penser différemment la manière dont vous allez les travailler. Si on reste dans le quantitatif, par exemple, et il y a plein de méthodes, comme dans le qualitatif, il y a plein de méthodes, je vais vous faire des vidéos au fur et à mesure, mais si je reste dans le quantitatif, je vais peut-être jouer sur des variables, par exemple. Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que c'est le genre? Est-ce que c'est le niveau social? Donc tout ça peut se complexifier et ajouter des éléments. Ça, c'est super intéressant. Donc, quand je vous dis, si je veux rester dans le quantitatif, les sondages, etc., une fois que cette méthode permet de voir des données, elles sont composées de plein de petites méthodes, comme je disais, que je vais présenter peut-être dans d'autres vidéos. Donc, là, les statistiques descriptives, puis je vais vous parler un petit peu de la différence échantillon, population, tout ça, c'est ensuite des termes techniques qui permettent de bien saisir la manière dont vous travaillez. Donc, une population, c'est l'ensemble des individus, c'est l'ensemble des faits que vous voulez étudier. Et un échantillon, c'est juste la partie que vous allez travailler de cet ensemble-là. Par exemple, moi, je m'intéresse aux étudiants qui restent à la bibliothèque, à Montréal.
Donc, ce que je vais faire, c'est ça, c'est ma population. Mais je ne peux pas interviewer tous les étudiants qui vont à l'université, qui vont à la bibliothèque, on s'entend. Donc, je vais choisir un échantillon, un groupe représentatif, souvent pris au hasard. Ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez faire le choix de ne pas prendre des gens au hasard. Et ensuite, faire votre étude avec. Donc, toutes ces petites particularités, on pourra toujours en discuter. Mais je pense pas que ça soit très important pour cette première vidéo-là. C'est juste pour vous expliquer à quel point c'est important de savoir en amont, avant que vous commenciez votre collecte de données, où vous positionnez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste de la cohérence. Soyez cohérent dans ce que vous voulez faire et choisissez ce que vous aimez. C'est super important. Une thèse, c'est comme un mariage. Vous allez rester avec pendant 4-5 ans. C'est très intense, c'est très fort. Choisissez ce que vous préférez. Tout se négocie et tout se défend avec votre directeur ou avec votre jury. Il ne faut pas hésiter à innover. Donc, si vous tombez sur des études qui sont que quantitatives, vous pouvez toujours innover avec du qualitatif. N'hésitez pas. C'est justement ça aussi qui est intéressant avec la science, c'est la manière dont on va rajouter sa pierre. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, puis on se revoit très bientôt. Sachez aussi que l'université n'appartient pas aux gens intelligents. La réussite à l'université appartient aux gens courageux. Merci et très bonne journée.